Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Mode à la Mode. Aujourd'hui, on va porter notre attention sur une seule et unique voiture, la Williams FW18, que l'on va opposer à la Ferrari de Michael Schumacher sur le circuit, bien évidemment, d'Imola, vous l'aurez reconnu. Alors, quelques tours ensemble pour se battre avec cette voiture, donc développée par ACFL. C'est une version 1.1 que j'ai testée et c'est une voiture qui est vendue en mode pour Assetto Corsa contre le montant de 3€. Vous retrouverez d'ailleurs dans la description le lien pour vous la procurer. Alors c'est une voiture qui a marqué la saison 96, logiquement vous le savez, puisqu'elle a remporté les titres de constructeur et de pilote avec le pilote britannique Damon Hill qui chassait depuis longtemps un certain Schumacher. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a mis ici en piste tous les deux avec la Ferrari de chez ASR qui est pas tout à fait l'idéal rival pour cette Williams, parce qu'elles sont diamétralement différentes au niveau de la conception et au niveau de la physique, donc c'est un petit peu compliqué de les opposer, mais ça donne quelque chose de plutôt sympa, vous allez le voir. Alors cette voiture a été développée par 3 personnes au niveau de la 3D, du mapping et de la physique. IRL, c'est une voiture qui avait été dessinée et créée par Patrick Head et surtout Adrian Newey. Cette voiture donc dispose de pneus lisses, ça c'est plutôt intéressant parce qu'au niveau de la physique, ça nous donne un comportement vraiment proche de ce que peut nous proposer, je pense, une Formule 1 de l'époque, c'est-à-dire des entrées de virage très appuyées, mais des sorties de virage un peu plus délicates qu'il faut parfois un petit peu tartiner pour réussir à la mettre en ligne. Très difficile à piloter cette voiture, ici j'ai dû la piloter avec un petit peu d'aide à la stabilité, parce que sinon ça part dans tous les sens, et c'est vrai qu'elle est vraiment très très compliquée avec un setup de base. Donc franchement, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de bolide, essayez de passer votre chemin, mais si jamais vous voulez vous tester à une Formule 1 des années 90, c'est toujours un meilleur compromis que les derniers modes qu'on vous a présentés qui n'étaient pas forcément idéaux au niveau de la physique. Ici le force feedback est un peu mollasson, je dois le dire car c'est la réalité, et au niveau de la 3D par contre, la voiture est simplement somptueuse. Vous avez d'ailleurs quelques screens que j'ai pu vous partager ci et là sur les réseaux sociaux. Allez, je vous laisse profiter du reste de cette vidéo et de cette petite bagarre avec notre ami Michael Schumacher. Montez le son parce que le moteur de cette Williams est un pur plaisir.